Mardi 24 janvier 2023, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tout savoir sur à l'entame de cette édition. Nous voulons vous présenter toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons ce rendez-vous hebdomadaire d'information et de sensibilisation sur le sujet lié à l'activité du gouvernement, à l'actualité, mais également tribune pour faire connaître un service de l'administration publique au bénéfice des populations. Aujourd'hui, 24 janvier 2023, c'est la journée internationale de l'éducation et le thème cette année, c'est « Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité ». Programme qui s'inscrit dans le cadre de la digitalisation du système éducatif ivoirien. Mon école à la maison, de quoi s'agit-il? Comment cela fonctionne? Quel contenu? Pour quelle cible? Voici quelques questions et bien d'autres auxquelles notre invité de ce jour va répondre pour nous permettre de connaître, de savoir tout sur mon école à la maison. Et l'invité, c'est M. Koné Yanataban. Il est directeur des technologies et des systèmes d'information au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bonjour, monsieur le directeur. Les internautes qui nous attendent, mais également les journalistes en salle et tous les participants, sont tout oui. Ils ont envie de savoir ce que c'est que cette plateforme que vous allez nous présenter maintenant à travers votre propos liminaire et puis après vous, ce sera les questions avec les journalistes en salle mais également les internautes qui nous suivent. Madame la directrice du CICG, mesdames et messieurs les membres du CICG, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, chers invités, vous qui nous suivez ici ou ailleurs, je voudrais, à l'entame de mes propos, adresser mes notes de déférence à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, qui a bien voulu autoriser ma modeste présence à cette tribune d'information et d'échange. En son nom, il me tient particulièrement à cœur de saluer et de remercier le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. J'associe à ces remerciements Madame la directrice du CICG et toute son équipe qui nous offre l'opportunité de communiquer et d'échanger sur un instrument d'enseignement pour la redynamisation de notre système éducatif. Je voudrais saluer également la mobilisation des partenaires de la presse et la présence de tous les participants dans cette salle comme en ligne. Mesdames et messieurs, selon les directives édictées par le plan sectoriel de l'éducation PSE 2016-2025, par les techniciens des questions éducatives, il est primordial de renforcer l'intégration du numérique dans les activités pédagogiques. En effet, les TICE consacrent un outil important dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme de développement et cela à bien des égards. Elles permettront d'atteindre une population plus importante et d'avoir accès à des ressources éducatives en permanence par le biais de l'Internet. La pandémie de la COVID-19 a montré au monde de la prépondérance de la place de la technologie de l'information et de la communication dans le processus de formation. Avec la fermeture des écoles, les solutions pour la continuité pédagogique ont utilisé les TICE pour les enseignements à distance. Sur le sujet, la Côte d'Ivoire présente un panorama fourni de projets pilotes pour la démocratisation de l'accès à l'Internet et l'intégration des TICE dans l'éducation. De fait, l'importance des TICE dans l'éducation n'est plus à démontrer. Il faut surtout agir pour que les apprenants en tirent le meilleur parti. La réussite d'une telle démarche passe inéluctablement par la mise en place de politiques nationales en faveur d'une intégration réussie des TICE en éducation. C'est pourquoi, lors des concertations nationales, dans le cadre des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le thème « Digitalisation, enjeux et perspectives »
a fait l'objet de réflexion d'une commission à part entière. L'une des mesures de ces assises est la définition d'une politique et l'élaboration d'une stratégie nationale de la digitalisation de l'éducation. En la matière, l'objectif général visé est d'enseigner et d'apprendre autrement par le numérique, qui est un support incontournable de promotion d'une éducation de qualité, d'équité et d'égalité. La mise en œuvre d'une politique nationale d'éducation inclusive basée sur les TIC devrait en effet permettre à tout apprenant en Côte d'Ivoire, quelle que soit sa géolocalisation, son statut socio-économique, son sexe, son âge, son handicap ou son milieu de vie, d'avoir une éducation de qualité tout au long du processus de formation et d'apprentissage. De former en programme initial les auditeurs des écoles de formation des enseignants et le personnel d'encadrement pédagogique et de la vie scolaire. De former le personnel enseignant et d'encadrement en programme continu à l'utilisation pédagogique des TIC. De conduire les enseignants à une utilisation efficace et autonome de l'outil informatique dans leur programme de formation et leur pédagogie. D'amener les apprenants à une utilisation efficace et autonome de l'outil informatique. De créer un cadre d'appropriation et d'utilisation de l'outil numérique par les acteurs du système éducatif en toute sécurité, dans le respect et la législation de la propriété intellectuelle. D'utiliser les TICE pour une meilleure gestion administrative, financière et sociale dans le système éducatif et pour accroître son efficacité. D'impliquer les parents dans le nouveau paradigme d'apprentissage et de formation avec le numérique. D'intégrer les TICE comme discipline d'enseignement. Le programme Mon École à la Maison a ainsi vu le jour comme une réponse d'opérationnalisation des conclusions des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, dont la mise en œuvre progressive sera très visible cette année. La persistance de la COVID-19 a amené les autorités ivoiriennes à envisager une école plus résiliente. La stratégie d'enseignement-formation à distance est imaginée avec le programme Mon École à la Maison et le processus de digitalisation de l'école ivoirienne acté par les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Au fil du temps, l'espace virtuel de partage de ressources pédagogiques et d'échange ou encore plateforme a fini par s'imposer comme le moteur de l'enseignement-formation à distance qui concentre tout l'enjeu de la digitalisation du système éducatif ivoirien. Une véritable mine d'or de ressources intellectuelles et pédagogiques pour nos enfants, qui, si elles sont convenablement explorées par les apprenants avec l'aide des parents et tous les acteurs du système éducatif, impactera certainement et qualitativement le système éducatif national. Ainsi dit, qu'est-ce donc la plateforme Mon École à la Maison? Et qu'apporte cet outil à la communauté éducative de Côte d'Ivoire? Mesdames et messieurs les journalistes, chers internautes, le mardi 17 janvier 2023, Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, en présence des partenaires techniques et financiers, a procédé au lancement officiel de la plateforme Mon École à la Maison. Permettez-moi, avant d'indiquer ce que l'on trouve sur la plateforme, de noter que la conception des ressources numériques a impliqué l'inspection générale, les encadreurs pédagogiques de la direction de la pédagogie et de la formation continue, les animateurs pédagogiques de formation continue,
les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, les directeurs d'école, du préscolaire et du primaire, les enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire. La plateforme, quant à elle, a été développée par une équipe interne du ministère, appuyée par des personnes ressources mises à disposition par l'UNICEF, que je salue. Mon école à la maison est une plateforme web, accessible à travers le lien www.école-ci.online. Elle est un ensemble de ressources pédagogiques prioritairement destinées à accompagner les élèves dans les enseignements, apprentissages et les évaluations. Cette plateforme s'adresse aussi aux enseignants et aux parents d'élèves. L'arrivée de ce dispositif dans le paysage éducatif sera bénéfique pour les enseignants et les élèves en ce sens qu'il offre plusieurs opportunités. Sur la plateforme, on trouve des ressources pédagogiques variées, 4000 fiches de leçons, 624 capsules pédagogiques, 5000 exercices, 200 quiz, 150 fiches de travaux pratiques. Également, on y trouve les manuels du primaire. La plateforme est un cadre dédié aux apprentissages scolaires. Elle est un outil de dialogue avec les parents d'élèves et la communauté éducative, en ce sens que sur la plateforme, on trouve les programmes éducatifs, les formats des évaluations, les textes officiels. Elle est la mère des plateformes d'enseignement à distance, telles que IFADEM, Imagine École, les plateformes régionales et les plateformes locales. Permettez-moi de le dire, cela est inédit en Afrique de l'Ouest, comme l'a fait remarquer M. Jean-Vincent, le représentant résident de l'UNICEF au cours de la cérémonie de lancement officielle. Mesdames et messieurs, je me réjouis de la présence et de l'accompagnement des médias pour la réussite de ce projet. Nous pouvons utiliser le digital pour le développement de notre pays et cette plateforme en est une parfaite illustration. Merci de porter cette bonne nouvelle auprès de tous les acteurs de la chaîne éducative. Merci pour votre engagement républicain. C'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre qui ont inscrit au cœur du programme gouvernemental l'éducation et la formation des jeunes. Mis en place pour faire face à une urgence, le programme Mon École à la Maison est devenu une véritable offre éducative pour l'école d'aujourd'hui et de demain. Le programme Mon École à la Maison ne remplace pas le système classique d'enseignement et ne constitue pas une alternative pédagogique pour les acteurs du système éducatif ivoirien. Le programme Mon École à la Maison est complémentaire au système classique pour les enseignants, pour les parents d'élèves, les encadreurs et les élèves. C'est en réalité la belle cerise pour apporter toute la succulence au gâteau de notre système éducatif. L'objectif visé étant la formation de ressources humaines de qualité pour le développement de notre pays. Je vous remercie. Informations sur Mon École à la Maison. Mesdames et messieurs les journalistes, chers internautes, vos questions, préoccupations afin qu'ils puissent revenir en détail sur certains aspects. Le micro étant déjà disponible pour cette première séance, on va commencer ici. L'organe de presse que vous représentez, votre nom et puis succinctement la question. Merci. Merci bien. Bonjour Monsieur le Directeur. Merci, ça va. Je suis Patrick Nguessan, journaliste à Fraternité Matin. Je prends bien. Mon École à la Maison
Mon école à la maison, vous savez, on est beaucoup assez qualitatif, offre éducative, instrument d'enseignement. De façon concrète, comment ça fonctionne? Je suis Sephora Zévi, journaliste à la RTI. Moi, je voulais revenir sur la pratique. Un parent qui utilise la plateforme Mon école à la maison pour étudier avec son enfant et qui se retrouve bloqué sur certaines questions qu'il ne comprend pas lui-même. Comment est-ce que ce parent-là peut interagir avec la... Est-ce qu'il y a la possibilité pour ce parent d'interagir avec la plateforme pour pouvoir résoudre le problème qu'il rencontre en étudiant avec son enfant? Ou bien, est-ce que vous avez d'autres solutions alternatives pour aider les parents à eux-mêmes comprendre les cours qui sont disponibles sur cette plateforme-là pour qu'eux, à leur tour, puissent les expliquer à leurs enfants? Je rappelle que ce n'est pas tous les parents qui ont la possibilité de prendre un répétiteur à leur enfant. Donc, ils étudient eux-mêmes avec leurs enfants. Merci. Si vous permettez, je vais commencer par la question de Sephora. Pour un parent qui décide d'accompagner son enfant, parce que nous l'avons dit, nous l'avons présenté tout à l'heure, la plateforme est un instrument d'accompagnement. Nous avons dit que ce n'est pas une alternative. Elle est juste complémentaire. Et donc, quand vous devrez aider votre enfant à faire des exercices et que vous-même, vous n'avez pas cette possibilité-là de comprendre déjà le cours, il faut dire que la plateforme a prévu une lucarne dans ce sens. Et il y a un forum qui est mis en place de sorte que la difficulté que vous rencontrez sur la plateforme, vous puissiez en ce moment poser votre préoccupation et derrière, il y a une équipe support de la DPFC, DPFC entendez par la direction de la pédagogie et de la formation continue, qui va réceptionner, sinon enregistrer la question et vous faire un retour. Et aussi, une des possibilités que vous avez, ce sont les enseignants eux-mêmes. Comme nous l'avons dit, la plateforme est ouverte à tout le monde. C'est vrai qu'il y a une cible bien précise, mais tout le monde a accès à la plateforme, notamment les enseignants qui peuvent toujours accompagner, encadrer les enfants, même n'étant pas dans leur environnement habituel de classe. Pour le journaliste Patrick de Fraternité Matin, comment fonctionne de façon concrète la plateforme? Quand vous allez sur un navigateur web, peu importe le navigateur, nous avons communiqué tout à l'heure le lien qui est le www.ecole-ci.online. Vous avez tout de suite une page d'accueil. Une page d'accueil qui va présenter les différents niveaux d'enseignement. Vous avez le préscolaire, le primaire et le secondaire. Donc, en fonction du niveau de votre enfant, vous cliquez sur l'onglet qui vous sied. Si l'enfant se trouve en classe du CM2, tout naturellement, vous cliquez sur le primaire. Et le primaire, vous allez voir toutes les classes du primaire qui vont se dérouler. Et à l'intérieur de cette liste déroulante, vous cliquez sur la classe concernée. Et vous verrez toutes les matières également qui vont se dérouler. En fonction de la matière que vous voulez regarder avec votre enfant ou pour vous-même, votre propre gouverne, vous cliquez sur cette matière et juste à votre gauche, vous verrez les fiches de leçon. Déjà, le mieux pour mieux comprendre la leçon, c'est de regarder déjà la fiche de leçon. La fiche de leçon va vous donner des indications et sur la base de ces indications, vous avez des exercices qui sont à droite. Vous avez regardé la fiche, il y a un résumé, il y a des habiletés. Une fois que vous maîtrisez ces habiletés, vous partez maintenant faire des exercices pour confirmer la compréhension ou soit l'infirmer. Et à côté de ces fiches de leçon, nous avons
des vidéos qui existent. Nous avons des capsules vidéo qui existent, qui ont été montées, comme je l'ai dit, par les équipes de la DPFC. Et donc, ces capsules sont des cours qui sont dispensés par des spécialistes, par des enseignants, qui ont été sélectionnés de façon minutieuse pour vous permettre également de comprendre les cours. Donc, voici de façon concrète comment fonctionne la plateforme Mon École à la maison. Merci, monsieur le directeur, pour ces préoccupations, pour ces premières réponses à ces questions-là. Je pense que lorsque nous préparions ce rendez-vous-là, nous avons eu énormément de questions concernant comment est-ce que la plateforme fonctionne. Donc, je pense que dans votre première réponse, vous avez donné des indications pour le niveau de ce que la majorité voudrait savoir. Quels sont les cycles, on va dire, les niveaux de l'éducation nationale, donc on trouve les contenus sur la plateforme. Également, est-ce que les enfants du préscolaire sont concernés? Les questions qu'on a reçues. Et la troisième priorité, c'était le volet prise en main des parents. Bon, je pense que dans la salle, cela a été exprimé, mais bon, les questions que nous avons enregistrées, c'était dans cet ordre-là aussi. Est-ce qu'il y a la prise en main des parents? Également en ligne, tout ça, je pense que vous en avez parlé. C'est toujours bon, comme on l'a dit, c'est une nouvelle plateforme pour que les parents eux-mêmes adhèrent, qu'ils puissent accompagner leurs enfants. Je pense que toutes ces questions, s'il y a des précisions à compléter, ne sont pas vaines. Et puis, autre question, est-ce qu'il y a des cours? Ce sont des cours. Comment est-ce que les filles se présentent? Les fiches, est-ce que c'est des cours? Est-ce que c'est les mêmes cours que les enfants retrouvent à l'école? Ça aussi, on l'a enregistré. Et puis, dernière préoccupation, est-ce qu'il y a des corrigés des anciens examens pour que ceux qui sont en classe d'examen puissent se familiariser à ce qui se passe? Donc, on va dire, voici un peu résumé ce que nous avons collecté comme préoccupations en ligne. Bien, merci Madame Poissy. Tout à l'heure, à la question du journaliste de Fratmat, nous avons abordé le maximum de points qui reviennent dans les questions des internautes. Relativement aux différents niveaux, comme je l'ai dit, nous avons tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'au second cycle. C'est-à-dire, quand nous prenons la maternelle, nous avons la petite session, la moyenne session, la grande session, le primaire du CP1 au CM2, le secondaire premier cycle jusqu'en troisième, c'est-à-dire de la sixième à la troisième, le secondaire second cycle, de la seconde à la terminale. Et toutes les matières sont concernées. Donc, déjà, les deux premières questions, notamment celle du niveau et puis des enfants du préscolaire, je crois que la réponse est déjà donnée. Comment se présentent les cours? Et comme nous avons dit, ce sont des fiches. Vous voyez, en termes de pédagogie, un cours se prépare avant d'être animé. Avant d'être en situation de classe, le cours se prépare. Et c'est cette préparation avec ce contenu qui est mis sur la plateforme. Tout naturellement, les exercices, les exemples qui sont dans ces fiches peuvent être étoffés par les enseignants qui seront en situation de classe. Parce qu'en situation de classe, il y a une réalité que tu rencontres. Et sur la base de cette réalité-là, tu peux réorienter tes exercices, tu peux réorienter les questions pour permettre aux apprenants de mieux comprendre le cours que vous dispensez. Donc, ces fiches sont généralement les mêmes fiches qui sont utilisées par les enseignants lorsqu'ils sont en situation réelle de classe. C'est pour cette raison que nous disons que la plateforme est complémentaire. Et l'avantage ici, c'est que le parent d'élève sait déjà qu'est-ce qui est donné comme contenu dans telle matière et à telle période bien précise et de façon gratuite. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est en ce sens que le représentant résident de l'UNICEF a dit que c'était quelque chose d'inédit en Afrique de l'Ouest.
Les ressources sont entièrement gratuites et nous invitons les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, les encadreurs à visiter la plateforme et c'est une plateforme d'auto-formation. À la question de savoir est-ce qu'il y a des corrigés d'exercices, des corrigés de sujets d'examen, je dis oui. La plateforme, elle est dynamique. Et les équipes de la DPFC et celles de la Direction des technologies et des systèmes d'information sont en train de numériser les 10 sujets, si vous voulez, des 10 dernières années. Et d'ici la fin de ce mois de janvier, ce contenu sera visible sur la plateforme. Ce sera l'occasion pour nos élèves de se mettre au travail parce que vous avez déjà les formats de sujets à l'examen, comment un sujet d'examen est constitué et vous avez même des sujets d'examen qui sont également sur la plateforme que vous avez gratuitement. Et s'exercer, c'est la meilleure façon d'apprendre parce que là aussi, ce qu'il faut noter, au niveau de l'éducation nationale, Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a pour, si vous voulez, vision de faire de ce ministère un ministère qui forme des ressources humaines de qualité. Et donc, la lutte contre la fraude et la tricherie est mise au cœur des actions du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, tout naturellement de la direction des examens et concours et de la direction des technologies et des systèmes d'information. Donc, ici, une occasion est donnée à nos élèves de se mettre au travail parce qu'ils ont du contenu gratuitement. Que prévoit le programme pour les adultes, pour le journaliste de M. Koulibaly Abidjan News, oui. Je crois que c'est ça. Voilà. Vous voyez, au niveau du ministère, à regarder déjà la dénomination même du ministère, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je crois que ici, vous voulez faire un clin d'œil à cette tranche de population qui n'a pas eu la chance de peut-être faire les cours classiques que nous avons. Il y a un volet alphabétisation qui est également en cours de déploiement avec des outils appropriés pour cette tranche de population pour ne pas que quelqu'un sinon soit laissé pour compte parce que le ministère prend en charge tout ce qui est alphabétisation, l'alphabétisation des adultes, l'alphabétisation des jeunes, les classes passerelles et donc au niveau des deux directions avec la supervision du cabinet et de l'inspection générale, les deux équipes travaillent à mettre en place des capsules également vidéo pour favoriser l'apprentissage afin de rester dans ce tempo-là de l'UNESCO, l'apprentissage tout au long de la vie. Merci Monsieur le Directeur. Dernière série de questions, cette fois-ci, questions d'internautes, c'est quelqu'un qui a suivi votre propos liminaire, donc ces questions sont issues de votre propos liminaire. La première, est-ce que la plateforme est-elle payante ou gratuite? Deuxième question, les fiches sont-elles en adéquation avec les cours qui se font en classe, étant entendu que les manuels scolaires varient d'une école à une autre selon les éditions? Troisième question, depuis quand la plateforme est-elle disponible et à quelles recommandations spécifiques des JENA répond la création de cette plateforme? Et ce sera tout en termes de questions cet après-midi. Merci, Madame Kouassi. À la question de l'internaute, la plateforme est-elle payante? Je dis non. La plateforme est entièrement gratuite. Sous un autre angle, on dira que l'effort qui doit être fait
pour l'instant, est juste d'avoir une connexion Internet et un terminal. Sinon, pour ce qui est du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, tout est pris en charge pour la mise en ligne des contenus, pour l'entretien, la maintenance de la plateforme. Elle est gratuite. Les fiches sont-elles en adéquation avec les cours qui sont faits? Je dis oui, puisque ce sont les pédagogues de la DPFC qui révisent de façon régulière les fiches et les mettent à la disposition de ceux que nous appelons les technico-pédagogues. Ce sont ces personnes qui font la modulation de ce contenu et le mettre en ligne. Donc il y a une adéquation entre les fiches qui sont sur la plateforme et les cours qui se font. La plateforme est disponible depuis mars 2020, comme je l'ai dit, à la faveur de la crise, sinon de la COVID-19. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a commencé à mettre en place cet outil d'enseignement à distance. Et la pandémie ayant connu des moments d'accalmie ou de répit, les équipes techniques ont continué à travailler sur la plateforme pour la mettre au niveau actuel. C'est vrai que le lancement a été fait le 17, mais justement c'est la nouvelle version de la plateforme qui a été lancée avec ce contenu que vous trouvez sur la plateforme. Donc, à quelles recommandations des EGENA la plateforme répond-elle? Je l'ai dit dans les propos liminaires, et cela figure même, vous avez dû le constater, dans la feuille de route du gouvernement pour ce qui est du ministère de l'Éducation nationale. C'est une réforme majeure qui doit être mise en œuvre. Il s'agit de mettre en place la politique et les stratégies de digitalisation du système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique. En plus de cette plateforme, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est en train de mettre en place un système d'information et de gestion de l'éducation. Pour faire en sorte que partout où nous nous trouvons, nous puissions disposer des informations que nous voulons en temps réel. Donc, à côté de ce système d'information qui est en train d'être mis en place également, vous avez dû le constater lors des examens passés, le projet qui a permis, je ne dirais pas que c'est forcément cette seule composante-là, mais qui a contribué fortement à la baisse du taux de tricherie aux différents examens, qui est le projet éducation numérique à travers la vidéosurveillance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous invitons nos enfants au travail parce que le ministère ne ménagera pas d'efforts pour donner à son système la qualité qu'il faut. Et au niveau des différentes directions, nous travaillons à mettre en place des outils qui vont donner de la valeur à nos diplômes. Aujourd'hui, nous parlons de plateforme. C'est l'occasion pour moi également de dire que le site du ministère, le portail même du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est en train de porter de nouveaux habits. Et très rapidement, sinon très bientôt, nous allons vous inviter à vous présenter ce portail-là, qui sera la mère de toutes les plateformes, la mère de tous les outils digitaux du système éducatif. Merci, monsieur le directeur. Comme je l'ai annoncé, c'était toutes les questions aujourd'hui.
Nous sommes pratiquement au terme de notre rendez-vous de ce jour. Vous êtes encore au pupitre de votre passage à tout savoir sur mon école à la maison. Que pouvons-nous retenir? Madame Kouassi, Madame la directrice du CICG, Mesdames et Messieurs les membres du CICG, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les internautes, je n'ai été qu'une face visible de l'iceberg. Derrière toute cette architecture, nous recevons nos instructions de notre ministre de tutelle, le professeur Mariatou Koné, qui a fait de la quête de l'excellence et de la qualité une passion quotidienne. Et ce, sous le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dont la vision et les orientations aideront inévitablement à redorer le blason de l'école ivoirienne. Nous n'oublions pas le Premier ministre, M. Patrick Hachi, pour son expertise et son accompagnement quotidien. Je voudrais inviter humblement l'ensemble des Ivoiriens à saisir cette opportunité qui permettra d'offrir à la Côte d'Ivoire de la ressource humaine de qualité. Il y va du développement de notre capital humain et partant de celui du pays tout entier. Nous invitons vivement les élèves à utiliser cette plateforme à fond comme plus-value pour parfaire leurs connaissances. Les parents doivent veiller strictement à l'utilisation rationnelle de cet espace virtuel qui apportera beaucoup à la formation de nos apprenants. Merci aux hommes de médias de relayer au maximum ces informations afin de permettre à tous les enfants de ce pays de profiter de cette offre salvatrice que l'État met à leur disposition. Vive l'éducation et vive le développement partagé. Je vous remercie. Bon, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ce numéro de Tout savoir sur consacré à mon école à la maison s'achève. Merci à vous qui avez effectué le déplacement ici pour être avec nous pour ce numéro. Également, merci à tous ceux qui nous suivent tous les mardis. On n'oubliera pas la délégation qui accompagne monsieur le directeur et bien entendu la direction de la communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Chers internautes, rendez-vous certainement le mardi prochain pour un autre sujet à tous en mention.